Element Labs, nouveauté incroyable, vraiment dingue. Lorsque je vous ai présenté ce logiciel dédié à la voix, je n'avais même pas idée de toutes les possibilités qui seraient mises à disposition des utilisateurs par la suite. En effet, ce logiciel est très récent et les concepteurs travaillent chaque jour à des améliorations ou de nouvelles possibilités. Pour la toute première fois, transformer une voix en une voix d'un autre personnage avec un contrôle total sur les émotions, le timing et le résultat est devenu possible. L'outil n'est disponible que depuis quelques jours et il a déjà beaucoup de succès. Nous avons déjà vu comment utiliser un texte pour avoir la narration que l'on souhaite, avec la voix la plus appropriée. Aujourd'hui, il est possible d'utiliser une voix, voix de femme ou d'homme, et la modifier en voix d'homme ou de femme. Mais cela peut être simplement changer de voix pour avoir une voix plus douce, plus chaude, etc. Sachant que le choix des voix proposées dans Element Labs est impressionnant. Voici donc la présentation de Speech to Speech. J'ai pris comme exemple la voix d'un présentateur que je trouve génial, mais dont la voix m'exaspère. Je vous montre comment ça marche. Alors, nous avons déjà eu l'occasion de venir sur ce logiciel, Element Labs, et nous avons surtout fait du texte vers un speech. Mais aujourd'hui, nous allons voir la nouvelle fonctionnalité Speech to Speech. Voilà, donc on clique là. Vous choisissez quelle voix vous voulez mettre. Là, je vais mettre, par exemple, une autre voix. Je vais mettre Nanou. Je ne vais pas mettre une autre voix. Ici, je vais pouvoir régler tout ce que je veux dans cette voix. Est-ce que je veux que ce soit un peu plus stabilisé que cela. Est-ce que l'on veut que la voix soit bien stable? Est-ce que l'on veut que ce soit vraiment ressemblant à la voix d'origine? Et puis, on va tout simplement regarder. Ici, on commence par télécharger notre fichier que l'on veut modifier et on fait générer. Voilà ce que cela donne maintenant. Il commence par dire, il est si facile de surestimer l'importance d'un moment déterminant et de sous-estimer l'utilité d'apporter de petites améliorations au quotidien. Trop souvent, on se... Comme vous voyez, il est possible que la voix que vous avez choisie ait pris vraiment les tonalités de la voix que vous avez enregistrée. Donc faites attention à ça. Mais on va essayer une autre voix. On écoute ce que cela donne. Il commence par dire, il est si facile de surestimer l'importance d'un moment déterminant et de sous-estimer l'utilité d'apporter de petites améliorations au quotidien. J'ai juste un petit peu modifié les paramètres pour sortir une voix qui correspondait plus à ce que je voulais, mais on peut trouver d'autres voix qui vont être peut-être plus appropriées. Je choisis Mimi et nous allons générer un nouvel audio. Il commence par dire, il est si facile de surestimer l'importance d'un moment déterminant et de sous-estimer l'utilité d'apporter de petites améliorations au quotidien. La voix n'est pas du tout la même que celle qu'il y avait précédemment. Elle est un peu plus aiguë, elle plaît ou elle ne plaît pas. On va essayer d'en trouver une autre, cette fois-ci, un monsieur. Il commence par dire, il est si facile de surestimer l'importance d'un moment déterminant et de sous-estimer l'utilité d'apporter de petites améliorations au quotidien. Cette voix est aussi bien différente de la précédente. Et l'on peut choisir encore une autre, par exemple Georges, et on va générer la nouvelle version de cet audio. Il commence par dire, il est si facile de surestimer l'importance d'un moment déterminant et de sous-estimer l'utilité d'apporter de petites améliorations au quotidien. Maintenant que vous avez vu comment l'on peut faire, il ne vous reste plus qu'à en profiter et faire tout ce que vous voulez avec cette nouvelle fonctionnalité. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo.